excuse-moi, je vais poser ceci ailleurs. Et me revoilà, car il est temps maintenant de reprendre la recette numéro 1. Alors là, si tu arrives en direct, tu vas nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passe de la recette 2 à la recette 1 ?» Pas de panique. Tout simplement, pendant la recette numéro 2, celle de la pistounade, nous avons mis notre pâte feuilletée roulée au congélateur pour pouvoir ensuite la découper facilement. Le four est préchauffé à 200 degrés. On va donc pouvoir aller chercher nos feuilletés au congélateur. Admirez encore une fois mon pantalon. Mon premier, j'arrête après. Hein. Et on va pouvoir les découper. Hop. Hop. Je pense à fermer le congélateur parce que même s'il fait très chaud ici, je ne suis pas sûre que ça va beaucoup me rafraîchir. Allez, je vais déballer ma pâte.